Bonsoir Alexandre Kantorov et Lia Petrova. Merci infiniment de passer un, un moment avec nous. Vous jouez ensemble ce soir, mais ce n'est pas la toute première fois que vous vous retrouvez réunis sur scène, puisqu'il y a quelques jours, quelques semaines, vous avez partagé pour la première fois la scène ensemble, juste après euh, le confinement. Comment naît un, un nouveau duo Comment crée-t-on une nouvelle amitié musicale quand on ne se connaissait pas encore, en tout cas musicalement, Lia bah en fait, on s'est rencontrés au mois de janvier pour la première fois à Nantes. <laughs> euh, on jouait tous les deux. Et puis, euh, on est allé, euh, je ne sais pas, avec euh, plusieurs musiciens qui jouaient le soirée, euh, faire, faire un dîner ensemble. Et puis, c'était vachement sympa. Et je pense que c'était un peu comme ça. C'est agréable de jouer en fait, avec, euh, avec nos amis, avec des gens qu'on trouve euh, cool. Ouais, oui, mais on peut euh, les trouver euh, cool euh, dans la vie. Mais quand on se retrouve sur scène, est-ce que naturellement, euh, cette amitié nous aide à à créer des, des liens musicaux. Est-ce que c'est la même chose Je suis pas sûr, mais euh, j'ai un peu l'impression qu'on a, on a aussi chacun un peu nos cartes, et, euh, on arrive et on, on les mélange en fait. Et du coup, c'est, euh, c'est un peu un hasard. Parfois, on peut être très, très amis, ça, ne marche pas oui. forcément. Euh, et je pense qu'il y a juste une sorte de Peut-être, je ne sais pas, une sorte de respiration commune, quelque chose qui, qui fait qu'on est euh, soit sur un sort de même parcours ou soit euh, on prend des dimensions un peu diamétralement opposées. Et du coup, là, ça, ça allait simple. En fait, c'était plutôt, euh, plutôt naturel. Il n'y avait pas trop de questions à se poser. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est un peu les meilleurs moments quand on n'a pas trop réfléchir. Donc, c'était une évidence. D'autant que vous naviguez dans des univers euh, très variés ce soir, entre euh, le dernier de Bussy, un Brahms plein de fougue, un, un jeune Shostakovich. Euh, vous jouez sur, sur les humeurs, sur les contrastes ou vous cherchez des, des liens entre ces, ces différentes œuvres Oui, il y, y a un peu de ça. Il y avait... Euh... C'est vrai que surtout, en plus dans, dans cette sonate, il y a un peu un sort de mélange de tous, toute sa vie, avec tous ses thèmes, et de, il y a plein de petits bouts en fait qui s'enchaînent, euh, comme ça, comme s'il voulait ré, un peu recondenser euh, un peu l'ensemble de, de son style en très peu de temps, parce qu'elle est très courte la sonate. Mais oui, en général pour le pour le programme là, je trouve que c'est c'est un, un beau programme qui, qui contraste euh, plein plein d'œuvres différentes, et donc c'est euh, il y, a, il y a le côté on va dire, romantique avec, avec de la réserve de Brahms en fin de vie, il y a le côté fougueux avec Brahms beaucoup plus jeune. Et, euh, et je pense qu'on n'a pas voulu vraiment faire de lien particulièrement musicologique entre les, les œuvres, c'était vraiment plus euh, des œuvres qui, qui nous parlaient, qui, euh, qui étaient contrastées et qui nous permettaient en fait, d'exprimer de, la plus grande... Euh, Possibilités en termes émotionnels et en termes musicaux. C'était une bonne manière de recommencer après le confinement, on va dire. Alors Brahms, vous y êtes très attaché, Alexandre Kantorov, puisque vous explorez toutes ces sonates pour piano, des œuvres de jeunesse. Donc vous jouez un, un Brahms fougueux, c'est le cas du, du quatuor avec piano, mais vous jouez aussi, aussi le dernier Brahms, celui de l'Opus 120 avec Antoine Tamestit. Vous qui aimez la folie, l'audace du jeune Brahms, vous trouvez encore ce, ce brin de folie dans ces dernières pages qui sont euh, plus pleines de tendresse, qui sont plus mesurées aussi quelque part dans, ouais, dans cette. Il y a à la fois un côté un peu plus méditatif, on va dire, et comme si, moi, euh, bon, il a une vraie maîtrise de style, qu surtout dans sa musique de chambre en, en dernière partie où c'est beaucoup plus, euh, on va dire, condensé. Et il, il, va, il va moins partir dans un délire, il est beaucoup plus maître de ce qu'il fait, j'ai l'impression. Mais en même temps, il y a toujours quelques moments un peu de magie où. Euh, je euh, il se laisse emporter euh, et, euh, et c'est ça qui, qui rend ces petits passages très très touchants en fait. Et du coup, il y a, il y a toujours un bel équilibre en fait. Merci de, de nous rejoindre autour de cette table ici à La Grange-Jolac. On parlait de Brahms à l'instant avec Alexandre Kantoroff. Vous êtes également, Antoine Tamestit, un grand amoureux de la musique brahmsienne. Comment votre passion brahmsienne s'est-elle accordée avec celle d'Alexandre Kantoroff que vous avez rencontré pour la première fois ici à Evian J'ai toujours adoré Brahms, mais en, en même temps, j'ai l'impression que c'est un compositeur qui me faisait un petit peu peur. J'avais l'impression qu'il fallait une une maturité de plus, une sagesse de plus, peut-être un âge plus avancé pour, pour l'aborder plus sereinement. Euh, et en fait, c'est surtout par la musique de chambre, notamment d'ailleurs ce Quatuor Opus 25, que j'ai plus appris. Euh, les, les sonates, particulièrement, sont, sont particulièrement difficiles. Elles sont à la fin de sa vie. Il, il construit maintenant les choses. Avec un, un tel génie, euh, en prenant un petit élément pour en faire un thème, ou pour en faire une fin, pour en faire une transition, pour en faire une basse, il faut il faut un petit peu réfléchir et en même temps, il y a encore ce, ce romantisme fougueux et puis euh, qui s'emporte dans, dans le quatuor et, et qui est là, moi à mon avis, dans, dans la sonate aussi. Et, et Alexandre Kantorov euh, j'ai été très, très vite, en fait, tout de suite, dès les premières notes de répétition, soit en quatuor, soit en sonate, très inspiré par, par ben justement, à, à bon escient, ce côté emporté qui cherche la phrase, qui cherche le geste. Et euh, peut-être que je, je réfléchissais en, un petit peu trop et, et je, me suis, je me suis laissé aller là-dedans, de, de rechercher plutôt, justement, cet élan et, et pas... Pas d'être coincé sur certaines notes et justement de, de me rappeler un petit peu ce que je ressens dans l'opus 25, avec ce côté tzigane, etc., et ce côté folklorique, euh, pour, pour aussi aborder euh, la sonate avec, euh, avec aussi un peu de jeunesse, parce qu'à mon avis, il est comme ça, il, il écrit ce qu'il veut au moment où il le veut, Brahms. Alors, justement, cette fouque, cet élan du quatuor avec piano, on le perçoit notamment dans ce fameux rondo à la zingarese, ce final absolument étourdissant qui, en général, emporte le public. Bruno on Philippe, est-ce que c'est un, un mouvement dans lequel on doit oser Est-ce qu'on peut se permettre un certain lâcher-prise où tout est dans le contrôle Parce que c'est, j'imagine, étourdissant aussi à, à jouer, qu'à entendre. Beaucoup, vous le dites. Très justement, je pense que c'est un lâcher-prise contrôlé. Oui. Ça, doit être, ça doit être quelque chose en même temps de très tenu, ce, ce, ce folklore. Ça a quelque chose de très, de très euh, euh, tribal. Et c'est là que le, le génie de Brahms intervient aussi. Euh, ce, ce mélange musique populaire et savante en rend un... Euh, oui, vous le dites, ça remporte ça normalement les, les salles, on espère pour ce soir également. Euh, et c'est non, c'est du c'est du chef-d'œuvre, c'est du c'est du très très grand Brahms. Que ce soit la sonate première, sonate euh, donc fin de vie ou jeunesse avec stopus 25, c'est déjà du, du du très 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 grand. Mais quand on est un, un nouveau euh, quatuor, entre guillemets, puisque vous n'avez jamais jusqu'à présent joué tous les quatre, on arrive à trouver euh, cet osmo, cette fusion, mmh. euh, cette audace aussi, puisque dans ce quatuor, on, on, on doit se lâcher, même après euh, une, une toute récente rencontre. Je trouvais Bruno. ça très, très juste ce que disait Alexandre à votre micro il y a quelques minutes, par rapport au fait qu'on mélange les cartes. Effectivement, on peut se connaître très bien dans la vie et euh, être très amis et se retrouver finalement à partager la scène et à ne pas partager grand-chose, ou alors ne pas encore se connaître, avoir un, un immense crush musical et ne pas être tellement attiré euh, par la suite à poursuivre une relation humaine, euh, quelle qu'elle soit. Et là, je trouve que, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne sais pas, il faudra demander à mes collègues, mais je trouve qu'on a un bon, un bon combo. Euh, <laughs> moi, pour moi, c'est des belles rencontres, et humaines, et musicales. Et justement, dans le travail, on s'est retrouvé donc post confinement à se retrouver en musique de chambre et à pouvoir. Euh, partager et je trouve que le partage des cartes, en tout cas, c'est bien fait puisque j'adore les mélanger avec eux. Alors, c'est le concert de clôture de ces rencontres musicales d'Evian qui sont d'autant plus exceptionnelles qu'il s'agit de l'un des très rares festivals dans le monde maintenu avec du public. Que ressentez-vous, un souffle particulier, une émotion particulière, sachant que vous êtes parmi les rares musiciens au monde à jouer avec du public dans la salle Vous ressentez comme l'impression de vivre quelque chose d'exceptionnel Oui, moi, je suis rentré hier soir sur scène. Je me suis rendu compte que donc les deux précédents concerts que j'ai eu la chance de faire, enfin trois en fait, un sans public du tout et deux avec une trentaine de personnes. Hier, ces, ces 350 personnes, ça m'a fait une émotion d'une... Enfin, c'était. J'ai eu, eu chaud au cœur quand je suis rentré sur scène directement. Et après, quand j'ai joué et que j'ai ressenti, j'ai eu envie de regarder le public pendant le concert et d'écouter les, les moindres réactions. Ça m'a fait quelque chose. Et, en... et j'avais envie presque de me dire, euh, d'habitude, une salle, comme celle d'hier soir, où les gens étaient un peu disséminés, de, de par les règles sanitaires, je me serais dit oh là là, dis donc, il n'y a pas tant de monde que ça. Et hier soir, je me suis dit oh là là, que c'est bien, déjà 300, 400 personnes, c'est extraordinaire. Et, et j'avais envie de tous, toutes les toucher euh, musicalement, émotionnellement. <laughs> je garde le mètre 50 hein, de de protocole, mais vraiment, j'avais envie de partager quelque chose. Et je trouve que moi, en tout cas, ça me montre, c'est très personnel, mais ça me montre que j'ai besoin de ça, je fais ce métier-là pour ça, pour partager, pour parler avec ce public euh, au travers de la musique. C'est vraiment formidable à vivre. Et pour parce vous, Bruno-Philippe Ce ressentir. que vous disiez, c'est très juste. Moi, je sens une, une immense chance. Que, comme Antoine, j'ai eu l'occasion de faire une ou deux représentations, mais à huis clos. Et je trouve qu'en même temps, ça m'a fait réaliser pendant ces mois de, de, de confinement que l'interprète sans public n'est pas grand-chose. Et je trouve que ça replace aussi l'ego de l'interprète à sa juste place. En fait. le, le, le génie, c'est le compositeur. Il y a des interprètes géniaux, évidemment, mais l'interprète aussi génial soit-il, s'il n'a pas son public, il n'est rien. Alors que le compositeur lui subsiste malgré tout. Donc ouais. je suis hyper heureux évidemment <laughs> de, de retrouver une salle avec du public ce soir et de partager ouais. la scène. Avec et on s'en réjouit Alexandre. également de pouvoir vivre tous ces moments d'exception en direct sur Radio Classique. Merci beaucoup Bruno Philippe et Antoine Tamistique. Merci.